Un enfant de Laval, Céphée Label, Annie Fratellini, vient de mourir à l'âge de 64 ans. Cette première femme clown avait transmis sa passion du cirque à plusieurs générations. Devant les députés socialistes, Lionel Jospin s'explique sur le dossier Vilvoorde. La déprime se confirme pour les constructeurs automobiles. Les immatriculations ont chuté de plus de 30% en juin. Depuis hier minuit, Hong Kong est devenue une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Page spéciale dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Annie Fratellini vient de quitter définitivement la piste à l'âge de 64 ans. Héritière du plus célèbre trio de l'histoire du cirque, Annie Fratellini avait transmis sa passion à plusieurs générations d'élèves en fondant en 74 avec son mari Pierre Etex l'École nationale du cirque. Hommage signé Caroline Naudrin. Une bouille ronde, un large sourire, des yeux rieurs. L'image d'Annie Fratellini, c'est cette bille de clown sous un chapeau melon. Des questions d'enfants qui me demandaient « ça mange quoi un clown ? Ça vit comment ?» Et je ne savais pas quoi leur répondre en fait, parce que je n'avais pas envie de leur dire qu'un clown était quelqu'un comme un autre. Difficile d'échapper au monde du cirque lorsque chez les Fratellini on est clown depuis 4 générations. Dès l'âge de 6 ans, elle apprend toutes les disciplines sous l'autorité d'un père exigeant. Mais à 20 ans, elle ne supporte plus ce carcan trop rigide, elle ne rêve que de théâtre. Elle deviendra chanteuse de jazz, danseuse de claquettes, puis comédienne. Un homme qui a un métier, un bon métier. C'est bon, ça. Pas trop vieux, pas trop jeune. Bonne santé. Sa rencontre avec Pierre Etex est déterminante. Il ne rêve que de cirque et lui fait redécouvrir et apprécier ses racines. Il sera le clown blanc, elle sera son auguste femme. Ensemble, ils vont créer en 75 la première école du cirque occidental. Elle ouvre à tous les portes d'un monde jusqu'à présent mythique. À travers la technique, elle apprend aux enfants toute une discipline de vie, la persévérance, la rigueur. On m'a appris ce que c'était que le cirque, que c'était du travail. C'est du travail de tous les jours, de longue haleine. Pour arriver à une petite chose comme ça, il faut travailler des mois et des mois. Ça vous a donné la passion du cirque ? Oh oui, oui. On nous a donné beaucoup. Sa maladie, elle l'a fixée droit dans les yeux depuis des années. De sa mort, elle en parle avec franchise. C'est vrai que je m'y prépare, mieux que je ne m'y étais jamais préparée, je n'envisageais jamais de mourir, je pensais être immortelle. Et en fait, c'est vrai qu'à partir d'un moment, je mets les choses en ordre. Je ne voudrais pas être surprise par la mort. Annie Fratellini s'en va, mais elle laisse derrière elle un nouvel art du cirque. D'autres vont prendre le relais et continuer de faire rêver les grands enfants que nous sommes. Météo France se prévoit à nouveau beaucoup de pluie pour demain. La situation ne devant guère s'améliorer avant la fin de cette semaine. Beaucoup de ceux et celles qu'on n'ose plus appeler estivants voient leurs vacances gâchées à la Saint-Thierry été pourri. Reportage du côté de Dinard, Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Mais où peuvent donc bien être les touristes? Pas là, là non plus, là encore moins, et là pas davantage. Pour les trouver les touristes, il faut aller tout simplement à l'office du tourisme. Car ce qui est bien en Bretagne, c'est qu'il y a la mer. Mais ce qui est mieux, c'est qu'il n'y a pas que la mer. Même si le temps n'est pas tout à fait ce qu'on souhaiterait qu'il soit, mais ça on n'y peut rien, il y a quand même tellement de choses à faire que les gens, mon Dieu, ne voient pas le temps trop passer et reviendront sûrement quand même. Les professionnels ne sont donc pas trop inquiets, en tout cas pas pour l'instant. Les touristes n'ont pas déserté la Bretagne, loin de là, tous ne sont même pas encore arrivés. Ils se sont simplement organisés. Et pour voir quand même la mer, mais à pied sec, rien de mieux qu'un aquarium géant. Tiens, regarde dessous, ça m'en mord. Celui de Saint-Malo enregistre un taux de fréquentation record depuis un mois. Le temps n'y est pas pour rien. On est à l'abri ici. À défaut d'avoir du soleil, eh bien on est à l'abri. Puis on contemple quand même quelque chose d'intéressant. Ça plaît pour toute la famille, les enfants sont heureux, nous on y trouve notre compte. Tout le monde est content. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Et le naturel de Dinard, c'est le soleil. Il suffit que surgisse un rayon, une éclaircie, une embellie, pour qu'immédiatement fleurissent les châteaux de sable et les jeux de plage. Attention quand même, ce serait trop bête de se casser une jambe dès le premier jour des vacances.
Alors que la bourse de Paris, frappée par la fièvre acheteuse, vole de record en record avec un CAC 40 à 2944 points, aujourd'hui en hausse de 3% sur la seule séance de ce mardi, c'est au contraire la déprime qui se confirme pour tout le secteur automobile, avec une chute de plus de 30% des immatriculations en juin. Luc Bazizin. Tous les chiffres annoncent une année noire dans le secteur automobile. Depuis janvier, seules 785 000 voitures neuves ont trouvé preneur, avec un record pour le mois passé. Une chute de plus de 30%, le plus mauvais mois de juin depuis 1962, qui clôt un premier semestre désastreux, moins 23%. En fait, les constructeurs payent aujourd'hui leur succès d'hier. Les primes gouvernementales avaient dopé le marché, de nombreux clients avaient alors anticipé leurs achats, des achats qu'ils n'ont donc plus de raison d'effectuer à présent. D'autre part, le consommateur ne considère plus la voiture comme un bien de consommation, mais comme un investissement auquel il réfléchit à deux fois. Les gens préfèrent acheter autre chose, peut-être partir en vacances, s'acheter d'autres biens que de renouveler leur voiture qui fonctionne bien et ils pensent pouvoir la conserver un petit peu plus longtemps. Résultat, pour la première fois, les constructeurs revoient à la baisse leurs prévisions de vente pour l'année. Ils envisageaient un recul d'environ 10%, ils tablent maintenant sur une chute de plus de 15%. Les constructeurs français perdent des clients sur leur propre terrain, à peine 55% de parts de marché, contre un peu plus de 62% il y a deux ans. Dans ce contexte, Renault, comme PSA, ont annoncé des plans sociaux pour réduire les coûts et être plus compétitifs au cœur d'une concurrence de plus en plus difficile. Et les députés socialistes ont demandé aujourd'hui l'organisation d'un débat sur l'avenir de l'industrie automobile. Auparavant, le groupe socialiste avait entendu Lionel Jospin s'expliquer précisément sur le dossier Vilvoorde. D'une manière générale, le Premier ministre a rappelé les élus du PS aux réalités économiques et à la discipline majoritaire. Sur place, Guylaine Chenu et Françoise David. Premier rendez-vous, première mise au point. À l'Assemblée à huis clos, devant les députés socialistes, impatient et déjà turbulent, Lionel Jospin planche. C'est contre l'opposition, revancharde et droitisée qu'il faut mener le combat, assène le Premier ministre, et non contre le gouvernement. Exemple, Renault Vilvoorde. Lionel Jospin affirme qu'il n'a pas renié ses engagements. Le dossier était trop engagé. Il s'est avéré que la solution qui consistait à appliquer, par exemple, sur le site de Vilvoorde, la réduction du temps de travail, ne pouvait pas suffire à régler le problème. Deuxième mise au point un peu plus tard à Matignon. Cette fois, tous les parlementaires de gauche sont invités. En quelques mots, Lionel Jospin plaide pour le débat, mais aussi pour la solidarité. Le chemin est étroit, dit-il. La majorité doit déblayer la route. Message compris, mais chacun garde sa liberté. Quand ça ne va pas, nous le disons, et nous le disons avec force. Et là, à Vilvoorde, ça ne va pas, et nous voulons faire autrement, et nous proposons de faire autrement. Mais il n'est pas question de poser le problème de la participation des communistes au gouvernement aujourd'hui. Une heure plus tard, pour les députés et sénateurs pressés de mettre en œuvre le changement, c'est l'annonce du calendrier parlementaire. Texte sur l'emploi des jeunes, la priorité des priorités, loi contre l'exclusion sur le droit de la nationalité, le message de soutien au gouvernement est répété. L'exercice du pouvoir ne sera pas solitaire, mais pour le coup, il doit être solidaire. En fin d'après-midi, les socialistes se retrouvent entre eux. Dernière explication de la journée. L'aile gauche du PS, minoritaire, reste critique. Cette solidarité ne signifie pas que nous soyons devenus des bénis. Oui, nous ne le serons jamais. En réunion, ce sont les anciens qui tentent de tempérer les ardeurs des plus jeunes. Je pense qu'ils vont un peu vite, quoi. J'aurais pu attendre la rentrée, peut-être, mais enfin, c'est comme ça. Fin d'une journée de mise au point et deux maîtres mots, la solidarité et le rythme. Lionel Jospin qui sera l'invité du journal de France 2 jeudi à 20h pour un premier bilan un mois après son entrée en fonction. Le bureau du groupe RPR de l'Assemblée a qualifié d'initiative regrettable le dîner qui a réuni il y a 15 jours dans un restaurant parisien, entre autres le député RPR Robert Pendreau et Jean-Marie Le Pen. Au-delà de cet épisode, les relations futures entre les partis de droite et le Front National troublent pas mal l'opposition. Le point tout de suite en compagnie de Roland Sicard et Mickaël Darmon. L'endroit n'avait rien de secret. Un restaurant du 15e arrondissement plutôt classique où les clients ont vu dîner le 16 juin dernier Robert Pendreau et Jean-Marie Le Pen. Certains avaient même cru apercevoir Jean-François Mancel, mais l'ancien secrétaire général du RPR a démenti. Un dîner qui montre que des contacts existent. Robert Pendreau était aujourd'hui injoignable pour en parler, d'autres font moins de mystère. Exemple, Jacques Limousy, élu dans le Tarn avec le soutien du Front National et qui ne s'en est jamais caché. Je parle les voix, qui qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Sans haine, discrimination pour qui que ce soit.
Des rapprochements sur lesquels le Front National insiste lourdement. Le parti d'extrême droite cherche depuis longtemps des alliances et fait sans complexe son marché à l'Assemblée nationale. Il y a mon ami Jacques Limousy, j'ai vu tout à l'heure Raymond d'Alsace. Je pense qu'autour de Jean-Marie Le Chevalier, peu à peu, va se créer au fond de ses pôles de recomposition de la droite. Des propos qui au RPR agacent. Le parti gaulliste, qui tiendra dimanche ses assises, a décidé de réagir sans attendre et c'est pour condamner. Ce sont des initiatives à caractère personnel qui sont tout à fait regrettables. Notre mouvement politique s'est positionné de façon très claire dans cette situation. Et il ne faut pas confondre la position de l'électorat qui manifeste un certain nombre de choses et des discussions avec des cadres du Front National qui ne sont pas fréquentables. Le RPR fait donc bien la différence entre les électeurs du Front National qu'il veut reconquérir et les dirigeants du parti qu'il rejette. Philippe Séguin a d'ailleurs décidé de convoquer lundi Robert Pendreau. Au menu, sans doute une sévère mise en garde. Avec le Front National, les dîners en ville ne sont pas recommandés. À Aix-en-Provence, le procureur a requis hier soir une peine d'inéligibilité à l'encontre de Catherine Maigret, maire Front National de Vitrolles, poursuivie pour diffamation à caractère racial. Les protestants de France, ils sont environ 1 million, ont un nouveau chef, entre guillemets. Jean Tartier succède à Jacques Stewart à la présidence de la Fédération des protestants de France. Premier président luthérien, Jean Tartier, lui-même fils de pasteur et marié avec une femme pasteur. Tony Negri, accusé dans les années 70 d'être en quelque sorte le cerveau, l'idéologue des Brigades Rouges, est arrivé aujourd'hui à Rome après 13 ans d'exil à Paris. Ce prof de philo, âgé de 64 ans, condamné par contumace à 12 ans de prison en Italie, a été aussitôt arrêté par la police antiterroriste. Reportage Pascal Doucet-Bon, Dominique Merlin. Il n'aura pas fait le moindre pas en liberté sur son sol natal. Comme prévu, Tony Negri, 64 ans, a été interpellé dès son arrivée à l'aéroport de Rome et immédiatement conduit en prison. 2 heures plus tôt, à Roissy, Charles de Gaulle, ce passager si particulier ne se faisait aucune illusion sur son sort. Il avait préparé ses effets personnels de futur prisonnier. Dans les bagages, il y a toutes les choses pour l'été en prison. Donc... Sourire, convivialité du dernier café de la liberté, le professeur de philosophie, l'ami d'Althusser, veut donner à son retour en Italie toutes les apparences de la sérénité. Tony Negri n'est ni plus ni moins qu'une figure mythique dans son pays, considéré à tort ou à raison comme l'idéologue des Brigades Rouges, groupe terroriste d'extrême gauche. 1978, les Brigades Rouges, justement, enlèvent et assassinent le chrétien démocrate Aldo Moro. En Italie, le choc est immense, s'ensuivent des lois et des procès d'exception. La presse italienne appelle cette époque les années de plomb. 24 000 personnes sont jugées, dont Tony Negri, condamné à 12 ans de prison comme instigateur d'actions terroristes. Mais il a pris la fuite vers Paris, 14 ans d'exil qui prennent fin aujourd'hui parce que lui, et lui seul, l'a décidé. C'est un acte politique gratuit. Rien ne pousse à sortir de France. Rien, sinon sa volonté d'accélérer le vote d'une loi d'amnistie. Tony Negri sait qu'il n'effectuera qu'une petite partie de sa peine, mais qu'importe, on ne quitte pas si facilement la liberté. La décision, je l'ai bien prise, mais je dois dire que ces 14 ans en France ont été très riches, très beaux. Ultime regret d'un philosophe avant son interpellation. Tony Negri dormira ici ce soir à la prison de Rebibbia. Les pronostics sur la durée de son incarcération sont plus que variés, de 1 mois à 2 ans. En fait, son sort est entre les mains d'une commission indépendante de magistrats. Tant que l'Italie n'aura pas voté la loi d'amnistie, elle n'en aura pas tout à fait terminé avec ses années de plomb. Lendemain de contestation en Albanie après les législatives anticipées qui ont vu la victoire des anciens communistes. Contestation venue notamment du roi autoproclamé d'Albanie, Leka Ier, qui affirme que le référendum organisé parallèlement sur le retour à un système de monarchie parlementaire a été truqué. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud, Jacques Grégoire. Ça n'est pas les vacances, mais le départ des 500 observateurs européens après le premier tour des élections. Mission accomplie, mais scrutin contesté par les démocrates de Sali Berisha, qui demandent que l'on annule les résultats dans 30 zones. Des incidents et des irrégularités, il y en a eu, comme ici, où les électeurs étaient 2 dans l'isoloir, ce qui est interdit, mais pour les observateurs, cela ne suffit pas pour remettre en cause la victoire des socialistes. Le pire ne s'est pas produit. Il y a eu un réflexe de sérieux, de dignité, de fierté sans doute, de la part du peuple albanais.
Mais les Albanais étaient aussi invités à voter pour ou contre la monarchie et c'est là qu'il y a colère. Les royalistes, le roi en tête, estiment qu'on a fait disparaître 200 000 bulletins qui lui auraient donné la victoire. Pourquoi est-ce que vous contestez les résultats de ce référendum ? Parce qu'ils auraient été manipulés d'une façon terrible. Et pourtant, Leka, fils du roi Zog Ier, revenu en Albanie après 50 ans d'exil, était persuadé que son pays allait devenir une monarchie constitutionnelle. Mais les vainqueurs d'aujourd'hui, les socialistes, n'en veulent pas ou n'en veulent plus. Le seul souci des nouveaux maîtres de Tirana est de faire partir sans violence le président albanais. Des élections qui ont donné lieu à toute une série d'incidents visant des journalistes étrangers présents sur place. Notre équipe notamment a été violemment molestée et notre reporter d'image, Jacques Grégoire, légèrement blessé. Plusieurs équipes de télévision étrangères ont vu leur matériel détruit. Depuis hier minuit, heure locale, Hong Kong est donc devenue une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et 4000 hommes de l'armée populaire de libération ont fait leur entrée ce matin à l'aube sur l'ancien territoire britannique. Retour sur cet événement en compagnie de nos envoyés spéciaux. Tout de suite, nous retrouvons en direct de Hong Kong Daniel Bilalian. Bonsoir. Si l'on commence par l'anecdotique, eh bien la première conséquence du retour de Hong Kong à la Chine aura été deux feux d'artifice géants dans la baie de Hong Kong. Le premier avait été offert par les Anglais, c'était hier soir. Le second par le nouveau gouvernement, il vient de se terminer à l'instant. Deux feux d'artifice donc en 48 heures. Ajoutez à cela 4 jours fériés pour une population qui a plutôt ici l'habitude de travailler 24 heures sur 24. Reportage Bernard Lebrun, Roger Mott. La ville la plus scintillante du bout du monde, parce que la plus riche, au gratte-ciel transformé en arbre de Noël. La perle de l'Orient, comme on l'appelle, a conclu sa première journée dans le giron de la Chine par un extravagant son et lumière. Cadeau de Pékin aux 6,5 millions d'habitants d'Hong Kong pour fêter leur retour à la mère patrie, financé par les riches milliardaires pro-chinois et réalisé par des Américains. 2 millions de personnes s'étaient massées autour de la baie pour profiter du grandiose feu d'artifice tiré au diapason d'un orchestre symphonique. Budget 75 millions de francs. De surpasser celui donné la veille au même endroit pour la cérémonie des adieux des colonisateurs britanniques. Il fallait prendre date en restituant à la ville la plus moderne d'Extrême-Orient la tradition chinoise. Avec cette flottille de papier carton, certains ont déjà perçu une forme de concession esthétique. D'autres ne sont pas venus, opposants démocrates en tête, pour ne pas faire de concession politique. Ce matin, Hong Kong reprendra le travail et sa marche en avant. La fête est finie, la coexistence commence avec le pouvoir chinois. Après les festivités officielles d'hier soir et de ce soir encore, vous venez de les voir, effectivement, la première manifestation tangible de la présence chinoise ici à Hong Kong, c'est l'armée. 4000 hommes de troupes qui sont arrivés par les airs, par bateau et aussi par camion de la frontière entre Hong Kong et la Chine. Ils ont pris la place dans les casernes des soldats britanniques qui étaient partis la veille au soir. C'est un geste politique fort adressé au monde. Les États-Unis, l'Angleterre l'ont bien compris, qui ont boudé les premières festivités du nouveau gouvernement de Hong Kong. Geste politique fort également destiné à la Chine, puisque ces hommes qui sont arrivés ici marquent que cette rétrocession n'est pas simplement, je dirais vulgairement, la fin d'un bail commercial de 99 ans, mais une reconquête, reconquête pacifique certes, mais reconquête tout de même d'un morceau important du territoire chinois. Reportage Jérôme Beny, Bernard Ronflet. L'histoire en marche et les Hongkongais qui la regardent passer. Ce matin, dès l'aube, l'armée populaire de libération reprend possession de la colonie britannique. À l'appel du comité de quartier, les riverains sont tombés du lit pour venir acclamer les nouveaux maîtres du territoire. Des militaires à la tête remplie de leur mission, laver l'affront infligé par les Britanniques lors des guerres de l'opium au 19e siècle. Après 150 ans de contrôle colonial sur Hong Kong, je voulais voir les soldats arriver, leur souhaiter la bienvenue
et admirer la puissance de leur armée. D'autres Hongkongais se sont émus de voir surgir ces blindés, rappelant ceux de la répression du mouvement de Tiananmen en 1989. Mais ce contingent de 4500 hommes ne touchera pas aux questions de sécurité publique. Il vient simplement affirmer le changement de souveraineté sur Hong Kong. De la façon la plus voyante, sur terre comme en mer, pour montrer que le jour J, tant attendu par Pékin, est enfin arrivé. À l'état-major du régiment du prince de Galles, les Hongkongais découvrent une relève de la garde d'un nouveau style. La population toute est chez moi ici. C'est 99% c'est chez moi. C'est mis comme ça. Personne ne peut l'ignorer. Ce 1er juillet, Hong Kong n'est plus ce qu'elle était. L'homme qui a été désigné par Pékin pour assurer cette transition douce de Hong Kong vers la Chine s'appelle Chang Chuhua. Il a prêté serment quelques heures à peine après le départ des Britanniques. C'était la nuit dernière ici à Hong Kong devant le Premier ministre chinois, M. Li Peng. L'homme Chang Chuhua est un homme de 60 ans, il est milliardaire, il est armateur. Sa famille avait fui la Chine communiste, c'était dans les années 1949. Et pourtant, c'est lui qui a été désigné par Pékin pour assurer cette transition. Sa première décision ce matin a été de réduire quelque peu les libertés en réduisant par exemple le droit de manifestation. Mais en même temps, il a annoncé des élections démocratiques, a-t-il dit. C'est pour 1998 à voir. Il y avait des manifestations ce soir à Hong Kong, ce magnifique feu d'artifice. Manifestations encore plus géantes à Pékin, comme on sait les organiser là-bas. Dans le plus grand stade de la ville, on avait réuni des centaines de milliers de spectateurs, des centaines de milliers de danseurs pour une fête qui n'avait rien de spontané. Reportage Isabelle Béchler, Tristan Lebras. Au début, le spectacle du stade des ouvriers de Pékin figurait la lutte de la Chine contre l'impérialisme, comprenait contre la Grande-Bretagne et les autres puissances occidentales au siècle dernier qui, à coups de traités inégaux, se sont taillés des concessions en Chine. Il est question de l'humiliation nationale, de trahison, de faiblesse, de ruine, de honte. Les hommes qui rentraient de Hong Kong, dont le président Jiang Zemin, le faisaient justement la tête haute, car ils venaient de laver l'honneur chinois aux dépens du colonisateur britannique, caressant le nationalisme des Chinois dans le sens du poil. Ça va donner l'exemple d'un retour en douceur pour Macao et préparer le règlement final de la question taïwanaise. La petite fille perdue qui réclame sa maman dans les ruines pourrait bien être Macao. En attendant Taïwan, du moins les plus hardis ne se priveront pas de l'évoquer. Le déploiement est à la mesure du triomphalisme du jour. Grandiloquence et autosatisfaction, la Chine populaire a manifestement le sentiment d'avoir remporté une très très grande victoire. Pour mettre en scène cette joie d'un morceau de patrie retrouvée, la capitale chinoise a mis les petits plats dans les grands. On a fait danser près de 10 000 artistes pour 80 000 invités triés sur le volet, parfois venus de l'étranger. On va gagner plus d'argent, on pourra voyager, je pourrais aller à Hong Kong pour voir moi aussi ce qui se passe là-bas. Je suis vraiment impressionné qu'ils aient réussi à monter un si beau spectacle. Ça me fait chaud au cœur cette réunification. Après Hong Kong, ce sera la réunification avec Taïwan et Macao. Prochaine occasion de réjouissance, réunification de Macao, décembre 99. Hong Kong est donc revenu ce soir dans le giron de la Chine. Mais Pékin, vous l'avez entendu dans ce reportage, n'a pas encore récupéré la totalité de son territoire. Il reste Taïwan, ça c'est une affaire entre Chinois. Et cet après-midi, dans ce stade de Pékin, le président chinois a proposé à Taïwan le même régime qu'à Hong Kong, à savoir un seul pays, la Chine, le rattachement, mais deux régimes économiques comme entre Hong Kong et Pékin. Et puis il y a Macao. Là, le problème est réglé. En 1999, eh bien, officiellement, les Portugais rendront Macao à la Chine. Reportage Bernard Lebrun, Roger Mott. Le hasard et la nécessité. Macao n'est pas l'enfer du jeu de la chanson. Pour autant, sans les casinos, la petite colonie portugaise de mer de Chine serait au chômage. Un tiers des 450 000 habitants y travaillent. Et l'île survit grâce aux taxes sur les paris. Photos souvenirs devant les temples du jeu et les ruines des églises coloniales. Les touristes sont chinois, malaisiens, philippins ou hongkongais. Un passé très européen et un présent très asiatique. Il y a 440 ans,
Les jésuites et les soldats de l'infante débarquaient ici. Terre de mission et de commerce, Macao fut ruinée par l'essor d'Hong Kong. Aujourd'hui, 98% des habitants sont chinois. La Chine, toute proche, ici, de l'autre côté de la rivière des Perles, c'est tout le devenir de Macao. À son tour, en 1999, elle sera rattachée au continent. Alors, cette porte historique qui séparait deux mondes s'ouvrira le jour de Noël. C'est le seul symbole du pouvoir portugais qui disparaîtra. Des négociations sont en cours, en principe durant 15 ans. Les Chinois ne changeront rien à Macao, ils l'ont promis. Déjà, les sociétés chinoises de Canton et celles implantées à Hong Kong multiplient les investissements immobiliers pour préparer le transfert de leurs sociétés. Et les casinos, que deviendront-ils ? Avenue Mario Suarez, au palais du gouverneur, on négocie leur survie. Si la Chine n'accepte pas le jeu, il nous sera très difficile de ratifier les accords. Pour l'instant, les Chinois disent que la tradition industrielle du divertissement, propre à Macao, continuera. Les casinos sont interdits en Chine. Mais ce que redoute Pékin, ce ne sont pas tant les jeux d'argent que la criminalité qui l'entoure avec sa guerre des gangs. La petite île et le grand pays sont en pleine négociation pour savoir si demain, Macao rimera toujours avec casino. Voilà, après deux jours de festivités, la vie va reprendre maintenant à Hong Kong. Reste à savoir si les accords qui ont été signés officiellement ici seront respectés. Ça, eh bien, c'est l'avenir qui nous le dira. À vous, Bruno. Merci, bon retour. Toujours dans l'actualité à l'étranger, cette information encore au conditionnel. En Algérie, un imposant dirigeant du GIA, Radouane Nakador, se serait rallié aux autorités en leur livrant des informations confidentielles sur l'organigramme et sur les maquis du GIA. Radouane Nakador figurait avec l'actuel chef du GIA, Antar Zawahiri, parmi les islamistes dont la tête était mise à prix sur des affiches placardées sur les murs d'Alger. D'autre part, Anwar Hadam, l'un des dirigeants du Front islamique du salut, actuellement incarcéré en Virginie, devrait être mis en examen cette semaine par un juge d'instruction français venu spécialement aux États-Unis, mis en examen au chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le 9 juin 1991, à Mantes-la-Jolie, une femme policier de 32 ans a trouvé la mort après avoir été renversée par une voiture volée qui forçait un barrage. Le jeune Marocain qui était au volant est jugé depuis hier par la cour d'assises des Yvelines. Reportage Valérie Hermite, Hervé Pozzo. Hadj Saïdi n'avait pas son permis de conduire. Mais cette nuit du 8 au 9 juin 1991, avec deux de ses copains, il prendra le volant d'une voiture volée pour se rendre à une fête à Mantes-la-Jolie. Pris en chasse par des policiers, Hadj Saïdi tombe sur un autre véhicule de police qui lui fait barrage. Saïdi décide alors de forcer le passage. Mais au dernier moment, Marie-Christine Baillet sort du véhicule de police. Le choc est extrêmement violent. La jeune femme policier meurt de ses blessures. Elle n'est pas morte par hasard, elle est morte en tant que policier. Parce qu'elle représentait le dernier rempart de la légalité dans des zones que l'on appelle de non-droit ou d'extraterritorialité. Pour nous, c'est une mort accidentelle. C'est tout. Il l'a pas fait volontairement. C'est un accident, c'est un drame malheureusement. C'est tout. Mais il a payé, il a fait 54 mois ferme. Et aujourd'hui, on centralise ça comme si c'était des jeunes bandits qui viennent avec des véhicules faire la guerre aux policiers. C'est faux. Hadj Saïdi a déjà fait 4 ans et demi de détention préventive. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Dans la salle de la cour d'assises des Yvelines, de nombreux policiers, bien sûr. Mais également des jeunes des banlieues venus rappeler que deux des leurs sont morts aussi à Mantes-la-Jolie durant ce printemps 91. L'un dans un commissariat suite à une crise d'asthme, l'autre la même nuit que Marie-Christine Baillet, tuée d'une balle dans la nuque par l'un des coéquipiers de la jeune femme policier. Jean-Michel Boucheron a été condamné aujourd'hui à 4 ans de prison, dont 2 en ferme et 1 million de francs d'amende. Incarcéré en France depuis le 25 mars, l'ancien maire socialiste d'Angoulême, poursuivi pour corruption et ingérence, entre autres, a été également privé de ses droits civiques pour 5 ans. Le parquet avait requis 4 ans de prison ferme. D'autre part, l'ancien vice-président RPR du Conseil régional de l'Essonne, Alain Josse, a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Il a déjà effectué 16 mois de prison préventive. Aux États-Unis, à Cap Canaveral, le décollage réussi aujourd'hui, ce soir, pour la navette spatiale Columbia, pour une mission de 16 jours, exclusivement consacrée à des expériences scientifiques, avec notamment des expériences sur de la microgravité. Ce vol de Columbia est en fait une répétition de la mission qui avait été abrégée au début du mois d'avril à la suite d'une défaillance technique.
Toujours dans l'espace, la collision mercredi dernier en plein ciel entre un module de la station orbitale russe Mir et un vaisseau cargo Progress a provoqué des dégâts évalués à environ 18 millions de francs. Depuis cet accident, les trois occupants de Mir, deux Russes et un Américain, évoluent dans des conditions particulièrement éprouvantes, oxygène rationné, semi-obscurité ou encore chaleur étouffante. Romuald de Bonan. Deux jours après la première collision spatiale de l'histoire, le sourire des trois cosmonautes est encore un peu forcé. Même si le pire a été évité, la vie à bord demeure plutôt angoissante. Un module hors service, des problèmes d'énergie électrique, de fabrication d'oxygène et une humidité élevée qui paralyse l'informatique. De quoi ébranler le moral des plus solides. Alors, pendant 12 à 18 mois, les cosmonautes s'entraînent en piscine ou en simulateur pour réagir aux situations les plus délicates. Incendie, réparation de fortune à bord et même retour sur Terre improvisé. Selon cet ancien cosmonaute russe, qui a lui-même été confronté à des incidents, l'équipage a réussi le plus difficile malgré le stress, choisir la solution qui répond au problème, ce qui est loin d'être évident dans l'espace. Il faut dire que les petits et les gros pépins sont devenus le lot quotidien des cosmonautes qui rejoignent Mir, près de 1500 incidents techniques en 11 ans. Des incidents qui peuvent se transformer en catastrophe si chaque équipage ne s'y prépare pas. En 25 minutes, il a pu régler ce problème avec, on le rappelle, une dépressurisation assez rapide, hein, de l'ordre de 30 mm de mercure par minute, qui leur donnait à peu près 25 minutes de réaction. Donc l'entraînement leur a permis de réagir à cette situation et de sauver leur vie. Et dans 10 jours, nouvelle dose de stress, une sortie dans l'espace pour constater l'étendue des dégâts avec un retour d'urgence à la moindre anomalie. Aux internationaux de tennis de Wimbledon, Mary Pierce, tête de série numéro 9, s'est fait couper l'herbe sous le pied en se faisant éliminer par Araxa Sanchez Vicario, tête de série numéro 6. L'Espagnole a dominé cette rencontre de bout en bout. Score final 6-1, 6-3. En quart de finale, Araxa Sanchez rencontrera une autre Française, Nathalie Tauziat, qui s'est qualifiée tout à l'heure aux dépens de Sandrine Testu, qui a laissé filer 3 balles de match. Un match interrompu 2 fois par la pluie. Chez les hommes, Cédric Pioline s'est qualifié pour les quarts de finale. Il rencontrera le Britannique Greg Rudetsky. On a appris aujourd'hui le suicide jeudi dernier à Paris de l'actrice Olga Georges-Picot, âgée de 53 ans. Après avoir commencé sa carrière en posant pour des photos de mode à l'âge de 17 ans et fait quelques apparitions dans des téléfilms, Olga Georges-Picot avait fait ses vrais débuts au cinéma grâce à Alain René qui lui avait offert le premier rôle féminin de son film « Je t'aime, je t'aime ». Ensuite, Olga Georges-Picot avait tourné dans une vingtaine de films. C'est Claude Nougaro qui a donné hier soir le coup d'envoi de la 17e édition du festival Jazz à Vienne, l'une des 4 principales manifestations du genre en France avec Nice, Antibes et Marcillac. Reportage Aubry Edler, Christian Houtin. Claude Nougaro a la démarche de Sancho et l'âme de Don Quichotte. Souvent blessé, mais chaque fois ressourcé, il reprend le chemin de la scène, comme on entre dans l'arène. Je forme mes puits de pétrole, je crois, dans la substance de ma vie. Voilà. Je raconte finalement mes chansons, plus ou moins, il s'agit bel et bien d'une autobiographie. Après 2 ans de silence et un pontage coronarien, Claude Nougaro s'offrait hier, il ne lui en faut pas moins, le Théâtre Antique de Vienne et son festival de jazz. Le verbe haut et le swing dans le sang, le Toulousain reste un alchimiste rare, capable d'emballer un public de tous âges en chantant la femme, le messie ou la mort. Vous parlez souvent de la mort, est-ce que vous avez le sentiment que le temps file plus vite désormais? Oui, ça file beaucoup, oui. C'est vrai, c'est vrai. Là, il y a un précipité à la fin des jours, vers le goulot final. J'ai soif. Petit hommage du ciel, la pluie avait opté pour les claquettes, juste assez pour accompagner les 9000 spectateurs venus au rendez-vous. Je suis sous mon balcon. Et grave à la fois, Claude Nougaro s'engage avec une vigueur intacte sur le parcours du cœur battant. Comme l'assassin sur les lieux de son crime.
Nous avons commencé ce journal en évoquant la disparition d'Annie Fratellini. En hommage à cet artiste, je vous propose de terminer cette édition avec le clown Bobos qui évoque la mémoire de cet enfant de la balle qui avait été la première femme à faire l'Auguste. Reportage Frédéric Dupuis, André Germain. Elle attachait beaucoup d'importance à la poésie dans tous ses spectacles. Dans tous les spectacles que j'ai vus d'elle, il y avait des moments très très prenants, très émotionnels. Enfin, elle jouait le temps des cerises parce que ça voulait dire quelque chose certainement au plus profond d'elle-même, par exemple. À tout moment, elle pouvait être aussi bien dramatique, faire passer un sentiment de tristesse, comme elle le faisait quand elle faisait le petit garçon ou la petite fille, puisqu'on ne savait pas vraiment quel était le sexe de ce personnage au départ, qu'elle véhiculait comme ça. Voilà. Dernier journal, le vers minuit 15, en compagnie de Florence Daucher. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Philippe Vasseur, l'ancien ministre de l'Agriculture. Bonne fête au Thierry, bon anniversaire à Lady Diana, 36 ans aujourd'hui. Dans un instant, la météo, Sophie Davant. Toujours beaucoup de pluie, des Pyrénées à l'Alsace, ailleurs, des averses et des ondées. À 13h, Patrick Chêne, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très très bonne soirée.